Au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, en ce 24 janvier 2021, nous entendons donc peut-être les ronronnements de Camé, puisque, étrangement, lorsque je me mets à vouloir faire les enregistrements, parfois elle se met à ronronner. Elle est tout près de moi. Que Mécha se porte bien, je demande aux anges de prendre bien soin de Mécha, qu'ils se portent bien, qu'ils soient en parfaite santé, qu'ils soient tous heureux. Je suis aussi tombé dans ma bibliothèque sur un livre qui s'appelle La haute magie kabbalistique. Que je comprenne bien si je dois me mettre à utiliser ce livre, quand, et j'aimerais donc un endroit pour cela. Voilà. Un endroit qui soit dédié à tout cela. Donc, ce serait bien que l'endroit arrive, comme ça me permettrait de voir que c'est la volonté divine. Je sais que rien n'est impossible à Dieu et à ses anges, donc voilà. Nous sommes aujourd'hui, donc un dimanche 24 janvier 2021. L'ange du jour est Ekamiya. Tu gagneras ton combat quel qu'il soit. Et le tirage des anges du jour a donné l'ange Eiyael, numéro 67. Eiyael, Eiyael, Momiya, 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 ange numéro 72, le dernier ange de la série. Et Aeuya, Aeuya, ange numéro 24, Aeuya. Je commence par Eiyael. C'est vrai que la suite peut-être logique de tout cela est de passer à la magie kabbalistique, la haute magie kabbalistique, puisque c'est lié aux anges de la Kabbale. Donc je vous laisse maître de tout ceci, par le Saint-Nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à la gloire du Père Céleste. Merci les anges. Je m'en reviens à vous, je lâche prise. Et Yael, Yael, et Yael, personne prédisposée à l'étude des sciences abstraites, astrologie, Kabbale, cosmogonie. Et Yael, et Yael, Yael, personne prédisposée à l'étude des sciences abstraites, astrologie, Kabbale. Cosmogonie. La sagesse divine et sa compagne, spécialiste en sciences occultes, en ésotérisme, elle connaîtra la vérité, même concernant les sujets les plus obscurs, elle aime la solitude. L'adversité ne l'affecte pas, sentiment pur. Et il y a elle, il y a elle, il y a elle, personne prédisposée à l'étude des sciences abstraites. L'astrologie, Kabbale, cosmogonie. La sagesse divine et sa compagne, spécialiste en sciences occultes, en ésotérisme, elle connaîtra la vérité, même concernant les sujets les plus obscurs, elle aime la solitude, l'adversité ne l'affecte pas, sentiment pur. Eyael, 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 esprit de vérité, Eyael, esprit de vérité, Eyael, aide-moi, s'il te plaît, à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a conférées, permet que dans mon travail je puisse rendre témoignage de la vérité, de la beauté, de la sagesse. Rends-moi fort dans l'adversité, ô Eyael, fais que je sois porteur de bien et d'harmonie. Je veux être efficace dans cette création permanente qu'est notre monde. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Eyael. Ainsi soit-il, amen, Eyael. Eyael, Eyael, esprit de vérité, Eyael, aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a conférées. Eyael, esprit de vérité, aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a conférées. Permets que dans mon travail, je puisse rendre témoignage de la vérité, de la beauté, de la sagesse. De la vérité, de la beauté, de la sagesse. Rends-moi fort dans l'adversité. Ô Eyael, fais que je sois porteur de bien et d'harmonie. Je veux être efficace dans cette création permanente qui est notre monde. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Eyael, ainsi soit-il. Amen. L'ange Eyael exhorte, c'est Dieu qui m'a appelé pour que je place dans ton cerveau ses idées. Pour que je te fasse concevoir comment on organise la vie dans les autres niveaux. Toi, pour ta part, tu dois apporter le renoncement de certains plaisirs matériels afin que ton cerveau puisse atteindre le niveau nécessaire d'élévation. Quand mes forces et tes forces entreront en contact, tu connaîtras les secrets de la création et tu disposeras du pouvoir pour les administrer. Donc, ça fait vraiment penser à l'utilisation donc de cette haute magie kabbalistique, de ces pouvoirs, en accord avec la volonté divine, tout ce qui est magie blanche en fait. Mais quand? Moi je suis ok, je suis prêt à tout si c'est la volonté de Dieu. Moi je suis prêt à servir Dieu. Si c'est sa volonté que je fasse cela, il me trouvera un endroit pour cela. Que cet endroit tombe du ciel. L'ange Eyael exhorte, c'est Dieu qui m'a
appelé pour que je place dans ton cerveau ces idées, pour que je te fasse concevoir comment on organise la vie dans les autres niveaux. Toi, pour ta part, tu dois apporter le renoncement de certains plaisirs matériels afin que ton cerveau puisse atteindre le niveau nécessaire d'élévation. Quand mes forces et tes forces entreront en contact, tu connaîtras les secrets de la création et tu disposeras du pouvoir pour les administrer. Et Yael, esprit de vérité, aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a conférées. Merci. Permets que, dans mon travail, je puisse rendre témoignage de la vérité, de la beauté, de la sagesse. Rends-moi fort dans l'adversité, ô Yael. Permets que, dans mon travail, je puisse rendre témoignage de la vérité, de la beauté, de la sagesse. Rends-moi fort dans l'adversité, ô Yael, fais que je sois porteur de bien et d'harmonie. Je veux être efficace dans cette création permanente qu'est notre monde. Merci, Yael, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Ange Moumia, 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 donc dernier ange de la série des 72 anges. Donc voilà, c'est comme si Dieu s'était divisé, ses énergies étaient divisées en 72 qui se modifient en fait chaque jour par rapport au cycle des planètes. Et chaque jour, ces énergies angéliques se déversent sur la Terre. Moumia. Elles sont toutes interconnectées, elles sont toutes potentiellement agissantes, mais chaque jour, il y a un ange qui est assigné en fait à la journée. Moumia, la personne a une très grande expérience de la vie, fin d'une période et très prochain commencement d'une autre période, avec tout ce que ce transvasement représente, changement d'amour, d'emploi, d'idéologie, de ville, d'entourage, de tout, rénovation, renouvellement, renaissance, l'apparition de tout cela et de toutes ces nouvelles personnes annonce la fin d'un cycle, spécialiste des changements en chimie et en physique, célébrité médicale. Grand ami des malades et des nécessiteux. Moumia, Moumia, Moumia. Moumia, la personne a une très grande expérience de la vie, fin d'une période et très prochain commencement d'une autre période. La personne a une très grande expérience de la vie, fin d'une période et très prochainement commencement d'une autre période, avec tout ce que ce transvasement représente, changement d'amour, d'emploi, d'idéologie, de ville, d'entourage, de tout. Je viens déjà de changer il y a maintenant. Presque 3 mois. Rénovation, renouvellement, renaissance, l'apparition de tout cela, de toutes ces nouvelles personnes, annonce la fin d'un cycle, spécialiste des changements en chimie et en physique, célébrité médicale. Grand ami des malades et des nécessiteux, prière à l'ange Moumia, 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 sublime Seigneur des renaissances, fais naître en moi une grande faim de lumière et de pureté, fais naître en moi tous les principes qui ont porté le monde à sa plénitude. Que moi, ton humble serviteur, puisse être pour tous le porteur de ton renouveau, dans les atomes, les cellules, dans les générations, porteur de santé, de jeunesse, de longue vie, messager de tes mystérieuses vertus. Merci, Moumia, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, j'ai confiance en toi, je t'aime, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen, Moumia, Moumia, ange Moumia, sublime Seigneur des renaissances, ange Moumia, sublime Seigneur des renaissances, fais naître en moi une grande faim de lumière et de pureté. Fais renaître en moi tous les principes qui ont porté le monde à sa plénitude. Que moi, ton humble serviteur, puisse être pour tous le porteur de ton renouveau. Dans les atomes, les cellules, dans les générations, porteur de santé, de jeunesse, de longue vie, messager de tes mystérieuses vertus, Moumia, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, ange Moumia, Amen. L'ange Moumia exhorte une vie nouvelle d'avoir sorti un pèlerin de tes vieux vêtements physiques. Je souhaite ardemment de te donner des ailes, je souhaite ardemment que tu puisses me voir face à face dans cette autre sphère là où est mon siège, car alors il n'est déjà plus possible de sombrer, de reculer, de rétrograder, de se retirer en avance dans la joie. L'ange Moumia exhorte une vie nouvelle devoir sortir pèlerin de tes vieux vêtements physiques. Je souhaite ardemment de te donner des ailes, je souhaite ardemment que tu puisses me voir face à face dans cette autre sphère là où j'ai mon siège, car alors il n'est déjà plus possible de sombrer, de reculer, de rétrograder, de se retirer en avance dans la joie. Ange Moumia, Ange Moumia, Ange Moumia, sublime Seigneur des renaissances, fais naître en moi, s'il te plaît, une grande faim de lumière et de pureté.
Fais naître en moi tous les principes qui ont porté le monde à sa plénitude, que moi, ton humble serviteur, puisse être pour tous le porteur de ton renouveau, dans les atomes, les cellules, dans les générations, porteur de santé, de jeunesse, de longue vie, messager de tes mystérieuses vertus. Troisième ange, donc, AEUIA, AEUIA, AEUIA. La personne objet de la consultation exercera une influence protectrice sur le consultant. Un protecteur fera son apparition ou tu protégeras toi-même quelqu'un. Si tu caches un crime, il ne sera pas découvert. Tu rentreras d'exil, tu échapperas à tes persécuteurs. S'il s'agit d'un prisonnier, il aura l'occasion de s'enfuir. Tu es protégé contre toute action diabolique, contre les sortilèges, les mauvais sorts, les maléfices. Merci à EUIA. La personne aimera la vérité, elle devrait s'orienter vers l'étude des sciences. La personne est sincère, on peut se fier à elle. Ange à EUIA. Sois mon guide, sois mon instructeur, je te demande de me conduire à la demeure où la lumière est une force stable qui peut être captée par la pensée et le cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que je pourrai devenir pierre angulaire de l'œuvre divine. Merci à EUIA, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, à EUIA, ainsi soit-il, amen, à EUIA, ange à EUIA. Sois mon guide, s'il te plaît, sois mon instructeur, je te demande de me conduire à la demeure où la lumière est une force stable qui peut être captée par la pensée et le cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que je pourrai devenir pierre angulaire de l'œuvre divine. Aouïa, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Aouïa, ainsi soit-il, amen. Ange Aouïa, sois mon guide, sois mon instructeur. Je te demande de me conduire à la demeure où la lumière est une force stable qui peut être captée par la pensée et le cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que je pourrai devenir pierre angulaire de l'œuvre divine. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il, amen. Aouïa. L'ange Aouïa exhorte, il faut que tu saches, pèlerin, que j'étais ténèbres, tohu-bohu, avant d'être lumière. Ton travail consiste à savoir reconnaître dans le visage de ton ennemi la présence de ton frère. À ceux qui tuent leur frère, dis-leur que l'heure du réveil, l'heure de l'amour a sonné. Il faut que tu saches, pèlerin, que j'étais ténèbres, tohu-bohu, avant d'être lumière. Ton travail consiste à savoir reconnaître dans le visage de ton ennemi la présence de ton frère. À ceux qui tuent leur frère, dis-leur que l'heure du réveil, l'heure de l'amour a sonné. Ange Aouïa, sois mon guide, sois mon instructeur. Je te demande de me conduire à la demeure où la lumière est une force stable qui peut être captée par la pensée et le cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que je pourrai devenir pierre angulaire de l'œuvre divine. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci les anges. Merci à Aïa El, à mon ange gardien, à mes anges. Merci à Aïa El, à Moumia, à Aouïa. À l'ange du jour, et Camilla, à Camilla. À l'archange Raziel, nous rentrons demain dans le cœur des trônes, je crois, dirigé par l'archange Zadkiel, me semble-t-il. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, d'amour et de lumière. Merci, merci, merci la vie. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, d'amour et de lumière. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, d'amour et de lumière. Merci, merci, merci la vie. Je remercie la vie de remplir ma vie d'amour, de santé, de rire, de lumière, de paix, d'amitié, de réussite, d'or, de rire encore, de bonheur et de joie. Je remercie la vie de faire que tous mes chats soient calmes, heureux et en parfaite santé. Merci, merci, merci la vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, merci pour l'hostie, merci le Saint-Esprit. Merci Marie, merci les saints, les anges, les archanges, Dieu le Père Tout-Puissant, merci Krishna, Radha, Prabhupada, merci. À la lumière, je suis la lumière m'enveloppe, la lumière m'entoure. La lumière me pénètre, la lumière me traverse, la lumière se diffuse en moi, la lumière se diffuse à travers moi. La lumière va dans tous les lieux qui ont besoin de lumière, d'amour, de bonté. Surtout les êtres vivants qui ont besoin de lumière, d'amour, de bonté. La lumière me bénit, la lumière me guérit, la lumière nettoie tous mes chakras, la lumière me guide, la lumière me permet d'accomplir, de réussir ma mission de vie. La lumière me fait réussir, la lumière m'aime, la lumière me guide, la lumière m'enseigne, la lumière me protège, la lumière m'aime, la lumière me guide, la lumière me protège, la lumière m'enseigne, la lumière m'entoure, la lumière m'enveloppe, la lumière me pénètre, la lumière se diffuse en moi, la lumière se diffuse à travers moi, la lumière se diffuse autour de moi,
La lumière va sur mes chats, autour de mes chats, entre dans mes chats, se diffuse à travers mes chats, se diffuse partout dans l'univers et va se mettre sur les lieux, sur les êtres vivants qui ont besoin d'amour, de lumière et de bonté. La lumière me bénit, la lumière m'aime, la lumière me protège, la lumière me guide, la lumière me guérit, la lumière me purifie, la lumière me fait réussir, la lumière me berce. La lumière m'illumine, merci à la lumière. Ainsi soit-il, Amen. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen. Alléluia.